Bonjour à tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société New Craft Day. Donc, d'ailleurs, que je remercie énormément pour leur grande générosité parce que même là, pour ce budget-ci, ils m'ont donné un peu plus. Ils m'ont donné un budget de 30$ US. Donc, j'ai pu prendre un article un peu plus gros que d'habitude. Donc, vous allez voir. Et j'ai pris une toile. Donc, c'est quand même la troisième collaboration qu'on a ensemble. Donc, je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, on va aller voir ça tout de suite. J'ai oublié de mentionner, mais ils ont repris contact avec moi le 27 décembre. Et j'ai fait ma sélection le lendemain. Et j'ai reçu le 23 janvier. Donc, ça a pris 3 semaines environ pour recevoir le colis. Donc, c'est tout à fait dans les normes. Étant donné que ça va prendre une trentaine de jours environ. Donc, on va aller voir. Je vais vous montrer la toile en premier. Et après, on va aller voir l'accessoire en diamond painting. Ah! C'est pas celle que j'avais choisie. Peut-être qu'ils l'avaient plus en stock, mais ils m'ont mis cette toile-là. Ici, c'est mini. C'est pas mon genre, mais bon. Parce que moi, quand c'est comme des personnages un peu en 3D, j'aime pas. Mais bon. Elle est cute pareil. Mais c'est pas celle-là que j'avais choisie. C'est une 30 par 30, celle que j'avais choisie. C'était une 30 par 40, je pense. Ouais. Donc, celle que j'avais choisie, c'était comme une mini aussi. Mais c'était plus dans les tons de noir et blanc avec un petit peu de rouge. Mais c'était pas celle-là que j'avais sélectionnée. Et elle valait 8,05 $ canadiens, mais celle-là, je ne sais pas combien qu'elle vaut parce que c'est pas celle que j'avais pris. Donc, je pourrais pas vous donner le prix, malheureusement, à moins que je fasse quelques petites recherches, là. Mais, ouais. Donc, ça, je vais mettre ça de côté, le papier. Donc, c'est une 30 par 30. Donc, je ne sais pas si on va bien voir les détails des fleurs, tout ça ici. Je ne suis pas convaincue. Mais elle est mignonne. Mais c'est pas mon style. Donc, ça ici. Donc, il y a des cercles, par exemple, pour aider à la pose. Mais à voir si les diamants vont bien cacher les cercles autour. Non, je la trouve jolie, mais je sais pas comment le rendu va ressortir, vu que c'est comme... Moi, je prends toujours des images où c'est très rapproché. Là, tandis qu'on la voit quand même de loin un peu, j'ai peur que les détails soient pas top. On verra une fois diamanté, mais... Mais bon. Je vais juste vérifier la colle. Ça colle super bien. Oups, ça colle très bien. Hein? Oups, hop, hop, hop. Je vais enlever le surplus d'air. Oups. Et voilà. Donc, à voir une fois les diamants posés, mais comme je vous dis, d'après moi, il y a des détails qu'on ne verra pas, comme les petites fleurs ici. Peut-être que ça va être plus difficile de voir.
Mais elle est quand même jolie. Mais à voir une fois les diamants posés. Oui. Donc, on a 22 couleurs au total pour cette toile. Et on a la table des matières en haut à gauche, en bas à droite. Donc, ça va être une toile qui va se faire quand même assez rapidement. Et ça, c'est génial. C'est les diamants. On a le petit toolkit ici qui vient toujours avec. Donc, la barquette, le stylet et la colle. Et ici, on a les diamants avec le petit diamant noir ici. Des fois, c'est un petit diamant rose, mais là, c'est un diamant noir. Et ça, c'est d'excellents diamants. Donc, d'après moi, ils sont toujours bien taillés. Donc, d'après moi, ça devrait bien couvrir les cercles noirs autour des symboles. Ouais, il me semble super bien taillé. Regardez-moi ça. Les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup le rouge ici. Un rouge pétant. De très belles couleurs, le beau vert ici aussi, bleu-vert un peu. Il est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, par exemple. Ouais, franchement. Et des diamants d'excellente qualité en plus. Donc, ça, je vais peut-être la donner à ma soeur, tiens, aussi. Parce qu'elle commence à faire du diamond painting et ça pourrait être une belle petite toile pour commencer. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va la faire pratiquer. Puis, c'est en diamant rond, donc ça se fait relativement assez bien. Ouais, ça ici. Donc, je vais la remettre dans son petit papier et je vais lui remettre, si elle veut la faire, ben, elle va pouvoir toujours la faire. Que moi je commence à en avoir beaucoup. Et voilà. Donc ça c'était pour la toile. Ensuite, j'ai vraiment craqué sur cette valisette-là. Vous allez voir, c'est une valisette. J'ai vu l'image et vous savez comme c'est que j'aime les papillons, le mauve et tout. Quand je l'ai vu, j'ai craqué complètement. Donc, vous allez voir, c'est ce modèle-là que j'ai choisi. Il y a deux versions. Il y a une version en boîte tic-tac et il y a une version en boîte avec des petits pots ronds. Donc, c'est cette valisette-là. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Avec tous ces beaux papillons en bleu ici, en mauve. Oh, elle est vraiment trop belle. Mais vraiment. Le zipper ici, c'est de couleur mauve sur les bords. Elle est wow. Avec des petites belles fleurs ici, roses, magnifiques. Oh non, j'adore complètement. Elle est trop belle. Avec double zip ici. On a une poignée juste ici. Oh wow. On va aller l'ouvrir. Ah, je l'adore. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire, j'ai un code promo si jamais ça vous intéresse de 10% chez New Craft Day pour vous. Moi, ça ne me retire rien du tout. C'est vraiment que pour vous le code promo. Donc, je voulais être transparente avec vous. C'est que pour vous et vous bénéficiez de 10%. Donc, quand même, 10%, ça vaut la peine si vous passez commande chez eux. Je vais vous l'afficher en bas de la vidéo aussi et dans la barre de description ainsi que les liens des produits en question. Ben, moins que je ne retrouve pas la toile que j'ai choisie, mais je vais au moins vous mettre la toile que j'avais choisie parce que l'autre toile, je ne sais pas si je vais être capable de la retrouver. Ouais, mais je vais vous mettre le lien aussi de cette valisette-là ici. Ah, oh, elle est vraiment magnifique. Oh wow! Avec la petite poignée juste ici. Et on va aller ouvrir. Des valisettes comme ça, on n'en a jamais de trop. Oh! C'est une 60 pouces, je pense. Mais attendez. 1, 6, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. C'est ça. C'est une 60 pots au total. Et ça vient avec des
petits autocollants. Voyons, j'ai juste une page. Ok, oui. Donc, c'est des petits cercles comme ça ici. On les voit pas super bien. Ouais, on les voit un peu. Donc, on en a 6. Donc, on en a pile poil juste assez pour les petits pots. Donc, il y en a 60. Et on a ici un petit filet pour mettre soit nos diamants restants. Parce que moi, quand je remplis mes petits pots, je les remplis pas au complet. Je veux dire, je mets pas des fois double pot. Quand il y a des restants, des surplus, je les mets ici là, dans le filet. Donc, on a les petits pots qui sont de très bon format, comme ça ici, et d'excellente qualité. Donc, franchement, c'est super. Et on a ici un petit entonnoir en plus qui vient avec. Donc, on va aller voir. Il est beau, celui-là. Il est rose. Rose bonbon, un peu. Ah, il est magnifique. Donc, j'adore complètement. Vraiment trop beau. Un entonnoir, en plus, qui fit avec la valisette. Ouais, franchement, je suis pas du tout déçue. Et cette valisette était au prix de 30,82 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, je vais vous remettre ma petite sélection juste ici. Et voilà, donc c'était ma petite sélection chez New Craft Day. Donc, je les remercie encore infiniment pour leur grande générosité. Et je vous remercie, vous également, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé. Et également à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc moi sur ce, je vous remercie à l'avance. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis prenez soin de vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.